Pour l'Angleterre, nous avons Charlotte Moore, qui est donc la numéro 4, la numéro 5, Sophie Carrigill, 1 point. La numéro 6, Claire Griffiths, 1 point et demi. La numéro 7, Helen Freeman, 4 points. La numéro 8, Laurie Williams, 2 points et demi. La numéro 9, Judith Hammer, 4 points. La numéro 10, Amy Conroy, 4 points. La numéro 11, Cathy Morrow, 4 points et demi. La numéro 12, Léa Evans, 2 points. La numéro 13, Jordana Bartlett, 3 points. La 14, Joy Anselden, 2 points et demi. Et puis la 15, Robin Love, 3 points et demi. Le staff est composé de Miles Thompson, de Daniel Price, d'Emma Tomkinson, d'Alison Nagata et de Nathan Penn. L'Allemagne, doit-on vous la présenter ? Une équipe très régulière, très stricte, qui met en application toutes les consignes. Jusqu'à présent, il y a eu 2 pertes de balles chez les Allemandes sur les 6 matchs précédents. Donc c'est pour vous dire la qualité de cette équipe allemande, robuste, efficace, constituée aussi de Maus Costo, comme la Monen, comme la Gross, également comme Schulman. Elles impressionnent quand elles rentrent dans la raquette. C'est vrai qu'elles... Elles ont leur importance. Le palmarès et les joueuses de cette équipe d'Allemagne. La numéro 4, Mayröcke Miller, 4 points et demi. La numéro 5, Johanna Willing, 2 points. La 6, Anne Patswold, 1 point. La 7, Angrit Brisman, 1 point. La 8, Annika Zeyen, la meneuse, 1 point et demi. La numéro 9, Laura Fertz, 2 points. La numéro 10, Geishe Schulman, 4 points et demi. La numéro 11, Maya Lindholm, 2 points et demi. La numéro 12, Annabelle Breuer, 1 point et demi. La numéro 13, Simone Kuss, 1 point. La 14, la redoutable et le phénomène de ce tournoi, Marina Monen, 4 points et demi. Puis la numéro 15, Barbara Gross, 4 points et demi. Le staff est composé de Holger Glinski, Joseph Jaglowski, Robert Botsch, Julia Erath, Angelica Jacobi, Jürgen Wolpen et Chris Gils. Le palmarès, eh bien, eux, ira le feu tout, hein, ces Allemands, puisqu'elles sont championnes paralympiques, vice-championnes du monde et championnes d'Europe. Alors, nous allons donc vivre ce 7e match, hein, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, 4, 5, 6, 7. Qui voit s'opposer les Anglaises contre l'Allemagne. Elles se sont déjà rencontrées hier soir et on a vu la victoire de l'Allemagne. C'était un beau match hier soir. Hein. Je pense que les Anglaises vont vouloir de nouveau défendre leur peau chèrement. Et on se souvient qu'hier, il y avait cette... Madame, 10 000 volts chez les Anglaises, c'est Freeman, la numéro 7, qui a dépensé une énergie folle, vraiment folle, folle, folle. Et ce matin, donc, les Anglaises ont aussi combattu et elle était quand même moins en forme. Beaucoup de ballons de perdus. Elle a à un moment donné, la numéro 7, elle a à un moment donné aussi essayé de... Alors, il faut que je fasse le preview. Voilà. Elle a également à un moment donné essayé de faire le jeu à elle toute seule. Elle s'est un peu prise les roues dans le tapis. Et puis, elle a perdu pas mal de balles. Et puis, il y a eu également Hammer, hein, la numéro 9. Qui, elle, n'arrête pas de tambouriner le cercle. Je vais entendre
peut-être faire ça. 1, 2, voilà. Bon, et bien comme ça, j'entends et j'aurai pas le. Alors, c'est notre ami Zeyen qui part pour Miller. Première cascade. On arrête le jeu. Miller qui est déjà à peine rentré. Broute déjà eh bien, le parquet de ce fabuleux gymnase qui ne reçoit absolument pas la 4G. Le vilain, le bougre. En jeu, Willin. Ah oui, ça joue large, hein. Ça joue large. Voilà, elles sont trois d'un côté. Elles sont trois d'un côté, il faut monter. Schoenmann. Et hop, deux points pour Schoenmann. Alors, le problème, c'est que le filet, il a un trou et on a le sentiment 5 secondes. Hein. Voilà, c'est parti. Allez, hop. La barrière des 3 secondes, des 8 secondes est franchie. Allez, faut croiser maintenant les filles. Faut croiser. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi elle n'est pas venue faire un bloc? Oui, avec la faute. Et c'est notre ami Griffiths qui vient de marquer son premier panier. Alors, elles veulent en découdre, hein, les Anglaises, cela va de soi. Elles ont envie également de prendre leur revanche et puis de montrer également de quel bois se chauffent les Britanniques. Panier marqué par Griffiths, lancé franc. 3-2 pour les Britanniques. Pour l'instant, les Britanniques ont fait une bonne entame de match. Zeyen, il faut prendre. Voilà, ça fait en marche arrière. Hein, ça fait la marche arrière. Ça fait de la marche arrière. Ça fait de la marche arrière, Zeyen. Et oui, elles sont à droite, hein, ces Allemandes. Allez, Conroy, c'est Robin Love. Ouh. Ah, ça va être compliqué. Un petit bloc, ça joue physique, tranquille, et bingo, à côté, dommage. 4-3 pour les Anglaises, on va voir, hein. Zeyen, ça joue large. C'est mobile, ça shoot, et récupération au contrôle, Griffiths, ça repart, les blocs, voilà, il y a Schoenmann qui est bloqué, qui a été prise par Freeman. Et attention, elles arrivent en surnombre, les British, elles arrivent en surnombre, oui, Freeman, hop, allez, là, les Anglaises ont envie d'en découdre, hein, une bonne fois pour toutes avec ces Allemandes, et encore une défense en tasse, et c'est le physique, hein, qui pour le moment fait tout. Et il y a bonne communication aussi du côté des Anglaises. Vous voyez, on ne descend pas, hein, on essaie de contenir. Oh, il y a 3 secondes. Hein. Il y a faute de qui? Alors, je vais voir. Elle va montrer le 15. On pousse. Ligne de fond. Donc, c'est Love qui vient de se prendre sa première faute. Robin Love. Schoenmann, pour, toujours, elle est là, Miller, hein. Miller, elle est insaisissable, ligne de fond, là, je vais ligne de fond, oh, alors, Love, alors là, mauvaise passe, hein, de Love. Et alors, elle tourne aussi du mauvais côté. Hein. Voilà, elles sont physiques, hein, ces Allemandes. Hein. Voilà, elles rentrent en marche arrière. Et poum! Et c'est Schoenmann qui plante. Donc, ça fait 8-5 pour les Allemandes. Elles n'ont fait pas le même coup, hein, Robin. Elles sont physiques, ces Allemandes. Hein. Amer. Dommage. C'était bien vu. Yeah. C'était bien tenté.
Schumann face à Kerry Gills. La faute pour qui? De la shooter. Faute pour la 7. C'est pour Freeman. Alors, une faute pour Freeman, s'il vous plaît. Et au lancer, Miller. Bon, c'est vrai que cette armada allemande, elle est quand même impressionnante parce qu'elles sont Maus costauds, mais non seulement elles sont Maus costauds, mais en plus elles ont de la puissance. Elles sont puissantes. Donc, à bouger. Et voilà. Et Miller, c'est lancé franc. Elle. C'est une simple formalité. C'est comme aller remplir un duplicata à la préfecture de police. Pour remplir sa feuille d'impôt, c'est aussi simple pour cette Miller. Et voilà, hop, voilà, deux, hop, dans l'escarcelle. Et vous me mettrez donc deux lancers francs à emporter, s'il vous plaît. Freeman. Alors, ça joue, c'est très physique, hein, c'est tout terrain. Il y a eu un magnifique bloc, un deuxième bloc. Ah, mais j'ai du mal à comprendre les blocs. Oh, dommage. Dommage de Griffiths. 10-5 pour les Allemandes. Attention, elles sont en train de creuser l'écart. Schumann. Oh, le trou. Oh, magnifique. Magnifique. Et encore un contrôle. Un rebond pour les Allemandes. Ça leur donne encore 14 secondes. Schumann, allez, un écran. Allez, je shoot. Raté. Love. En récupération pour Freeman. Allez, 3-3-3. Allez, il y a un surnombre. Oui, super ça. Griffiths qui va mettre son deuxième panier. 17 pour les Anglaises. Elles sont en surnombre, attention. Elles continuent de faire la tasse. Ça bouge, hein. Et le rebond, voilà. Elles n'y sont pas au rebond, hein. Elles ne contrôlent pas leur propre rebond. Qui encore? Là, numéro 7 encore, c'est Freeman. 7, on pousse. Est-ce que c'est sa deuxième faute à Freeman? Deuxième faute. Première faute. Ah, bah c'était Griffiths tout à l'heure qui a eu la faute. C'est Griffiths qui a eu la faute tout à l'heure. Willin. Schumann pour Zayen. Et alors, qui récupère cette balle? C'est Breuer. C'est incroyable ça. C'est un point et demi qui est au milieu. Elle est toute petite et elle est au milieu pour faire la récup. Elle est anglaise. Là, il va vraiment falloir réagir, hein, concernant... Freeman. Freeman, ah oui, c'est ça, elle fait toujours son petit gris-gris. Voilà, au moins là, elle met son panier alors que ce matin, elle avait beaucoup de mal à le mettre, hein, ce panier. 9-10 pour les Allemandes. Zayen, allez, regardez-moi, ça bouge dans tous les sens. Et alors, on a l'impression qu'on fait du n'importe quoi. Non, ça joue sérieux, hein. Ça joue sérieux. Allez, pour Schumann. Il faut reprendre. On ressort. Zayen. Mais Welling. Rebond. Au rebond, c'était Griffiths. Yeah! Eh bien, dites-moi, cette Griffiths, pour le moment, c'est elle qui permet à son équipe de garder la tête hors de l'eau, puisque les Anglaises viennent de passer devant 11-10 au score. Encore 3 minutes 32 à jouer. Et on ne les a pas vu passer ces 7 minutes. Hein. Schumann, on joue large. Attention, le 3 points. 3 points pour Schumann. Non, tête de raquette. Allez, Freeman. Il y a un bloc ici. Attention, il y a un bloc. Surnombre. Comment vont-elles le jouer? Surnombre. Wow! Et maintenant, c'est Kerry Gills qu'il met. Kerry Gills. 13-10 pour les Anglaises. Allez, dites-moi, vont-elles garder ce rythme, les Anglaises, comme ça? Vont-elles garder ce rythme?
Alors, Véline, longue balle et sa récupération par Breuer. Pour Schulman, on ressort pour Zeyen, récupération, qui récupère? Hop, mésentente, Schulman, on ressort pour Zeyen. Attention, Schulman, un shoot, et il y a faute de la lancer. Faute numéro 9, c'est Hammer. 9, on pousse, 2 à shooter. Hammer. Je regarde sur le tableau d'affichage qui vient de se prendre la faute. C'est bien ça. C'est Hammer qui vient de se prendre sa deuxième faute. Hammer, tac, tac, deux fautes. Relancé, Schulman. Et je t'en mets un autre. Tranquillou. Ah, mais quand on défend, on est obligé de faire des fautes. Hein. Moi, je ne connais pas un défenseur qui défend sans faire de fautes. Ça ne s'est jamais vu. Ou alors, on est un faux défenseur. Et dans ce cas-là, on n'est pas un défenseur. Freeman, pour cette remise en jeu, il y a un changement. Ouh, ça sort d'un bloc. Hein, le coach, il en fait sortir 4 d'un coup pour mettre 4, alors que cette équipe avait l'air de bien tourner. 13-12. Elle est rapide, hein, cette Freeman. Hein. Elle est rapide, cette Freeman. Regarde-moi toute seule. Super. Bon, elle a fait tout le boulot. Elle a récupéré, elle a fait un gris-gris par ici, elle est montée, elle a accéléré, elle a enclenché le turbo et roulé. C'était une Jaguar, parce que Jaguar c'est anglais il me semble. Non Zeyen, là aussi hein, ça joue pour Wellen, et voilà. Bah oui, si vous lui laissez l'espace, 15-14 pour les Anglaises. Conroy pour Williams pour Freeman. Freeman, allez, ah, il y a Monen qui est rentré aussi. Monen, attention, est-ce qu'elle va prendre le shoot? Elle va prendre son shoot, non? 7 secondes. 7, elle prend. Une. Et ouais, elle tricote de trop, Freeman, elle tricote de trop. Elle est en position de shoot, elle ne shoot pas. Bon, tant pis pour elle, après tout, c'est elle qui a choisi. Attention. Elles sont passées devant les Allemandes avec Miller. Et oui, mais 15-16 pour les Allemandes. Et oui, elle tricote trop, Freeman. Elle est physique. Aïe, aïe, aïe. Alors, avec Conroy, faut mettre de la colle. Il y a un temps mort demandé. Ça tournait bien, hein. Tournait bien tout à l'heure cette équipe. Bon, en même temps, il faut que tout le monde joue. Il faut reposer les uns, il faut reposer les autres. C'est normal. Alors, on remet elles sont. Et puis, alors, faut regarder, elles sont jeunes, hein, ces Anglaises. Hein. Elles sont jeunes et elles ont déjà un QI basket qui est phénoménal. Donc, c'est bien d'avoir ces filles dans une équipe de mecs. Parce qu'elles apportent de l'expérience et puis, c'est bien. Il faut les empêcher de bouger, empêcher. Voilà. Oui, comme quoi elle défend bien aussi. Elle défend bien la 4. Hein. Allez, c'est parti. Et il y a une faute de Miller. Sur le côté. Ah, il y avait une belle contre-attaque. Hein.
Et Miller eh bien, a préféré faire une faute pour empêcher justement cette contre-attaque d'être aboutie. Freeman. Premier enjeu pour Williams. On joue large, hein, toujours. Et on essaie de l'autre côté de faire des blocs, de pénétrer. Voilà, on va jouer ligne de fond. Ligne de fond, on revient. On remonte la balle en tête de raquette. On ressort. Là, on essaie de faire un grigui. On ressort. On bascule de l'autre côté, transversal. Et là, oh ! Williams, comme quoi, quand la balle bouge, c'est la balle qui doit être vivante. C'est pas les joueurs. Ça doit fuser, ça doit circuler. Et là, boum, 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 boum. Allez, 17-16. Elles sont repassées devant. Il y a une faute pour qui ? Freeman. Il a accordé le panier. Donc le point en pouce, plus 1. Et la faute est pour la number 8. C'est Williams qui a eu la faute. Ah, il y a de belles actions. Hein. Et Zeyen vient de... Alors on récupère cette balle, mais s'il vous plaît. Et là, ça fuse. Voilà, ça fuse. On va faire un bloc. Et au buzzer ! Wow ! Alors là, ça doit donner la pêche aux Anglaises. Hein. 19-18 à la fin du premier quart-temps. Bravo ! Freeman, on est reparti avec Madame 10 000 volts. Freeman pour Conroy. Allez, il faut le mettre un celui-là. Super, bonne entrée en matière de Conroy qui vient d'arriver. Et ce qui fait 21-18 pour les Anglaises. Alors, est-ce que les Anglaises vont créer la surprise au cours de ce match? Monen pour Zeyen. Allez, récupération. Super. Oh, la faute! Alors là, c'est même une mise en pli. Hein, voilà. C'est Breuer qui vient de faire une mise en pli à Hazelden. Elle lui a dit, voilà, je vais te mettre un coup de fer à friser. Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Voilà. Bon, enfin bon, ça reste bon enfant. En tout cas, elle a goûté à la poussière. Attention, hop, Conroy, attention, ça avance. Vous voyez comme elles sont vives. Hein. Ah, c'est des petits gardons, ça. C'est... Voilà, tranquille. Alors, on sort pour Freeman. Freeman, que va-t-elle faire? Freeman, elle bouge. En seconde. Et voilà. Alors, elle aussi, hein, Madame 10 000 volts, 23-18 pour les Anglaises. Ça joue. Ah, pour l'instant, les Allemandes... Bon, elles attendent. Hein. On attend le réveil de Monen. Voilà, ça joue large. Les deux pivots en tête de raquette. On essaie de trouver la faille. On bouge pour créer l'espace. On bouge, hein, voilà. Et Monen, eh ben, elle va faire ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, elle va faire un écran. On bouge, hein, bien évidemment. Et on fait un écran tête de raquette. C'est pas con, ça. Pardon, c'est pas bête. Alors, Freeman, elle est passée. Conroy. Wow! Hop, 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 hop! Ça tire de partout! C'est les
Pistoleros. C'est les drôles de dames. C'est... Messieurs, prenez-en de la graine. Monen. Allez, elle va remettre. Ils vont refaire leur cinéma à deux. Voilà, elle se met derrière. Voilà, elle fait un écran, tête de raquette. Et elle vient se mettre derrière Monen. Zeyen. Zeyen. Pour Zeyen. Conroy. Conroy. Ça bloque, hein. Ça bloque. Voilà. Hop. Il y a un surnom. Pourquoi le. Bon. Conroy. Eh, Freeman. Oh, elle a la main chaude, hein. 10 points déjà pour Freeman. 27-20 pour les Anglaises. Ça joue. Zeyen. Et pour l'instant, les Allemandes n'arrivent pas à pénétrer dans cette raquette. Voilà. Elle vient même se faire des bisous au niveau de la moustache du fauteuil. Zeyen. Breuer. Attention pour là-bas. Et Zeyen. La récupération Williams. Et il y a une faute. Ah bon? Oh! Dominique! Dominique! Allons! Et incroyable! On entend un boum! Et il donne la touche au. Voilà, comme ça je sais. Voilà. Non, mais. Fin de temps mort. Et quand on dit fin de temps mort, c'est fin de temps mort, hein, les petits loups. Deux fois, on le reprécise. Euh, 27-20 pour les Anglaises. Alors le tout, c'est de savoir, vont-elles réussir à garder leur 7 points d'avance? Parce qu'on connaît les Allemandes. Les deux, Miller et Monen, pour le moment, les Allemands n'arrivent pas à rentrer dans cette raquette. Hein. Oui, elle ne se quitte pas. Hein. Ça rentre en arrière. Ça rentre en arrière, c'est physique. Hein. C'est physique. Hein. Monen. Et voilà. Oui, mais alors ça, là-bas, c'est son jardin secret. C'est son jardin où elle cultive le pissenlit, le basilic. Donc si vous la laissez. Avec Breuer, quand même, Breuer, eh ben, choc quand même frontal. Parce que tout à l'heure, il y en a eu un beau, hein, juste avant le temps mort qui n'a pas été sifflé. Troisième faute, temps mort. Et faute pour Breuer. Troisième faute de la numéro 12 allemande. Remise en jeu avec Freeman pour Williams. Conroy est déjà en place. Elzaldan également avec Moore de l'autre côté.
Et Freeman va, voilà, on bascule. Wow! Moore déchaîné. Dites-moi, ça tire de tous les côtés aujourd'hui. Les Anglaises, c'est... Mesdames les Anglaises, tirez les premières. Allez, Miller. Miller, elle est prise par Welling. Attention derrière. Pas de faute. Voilà, récupération Hazelden. Oh là là, la marche arrière, là, c'est limite. Hein. Et il y a un surnombre. Allez, croisez. Williams. Wow! Elle dérouille! Elle dérouille! Pour le moment, les Allemands n'arrivent plus à trouver. Elles n'arrivent plus à trouver leur basket. 31-22. Alors, c'est la fatigue, c'est le fait de se dire qu'on a gagné. Bon, c'est bon, là, elle est passée. Miller est passée. Elle est passée. Schulman. Et voilà. Je vous l'ai dit, il faut changer. 31-24. Freeman. Freeman, fait un bloc, oui, magnifique, oui, et accordé dans l'action, bien sûr, c'est dans l'action à shooter, oui, allez, 33-24, ça c'est du basket, mon lapinou, et vous avez vu, elle a fait un bloc, après elle a longé le bloc, et ce qui fait qu'elle a fait un travail phénoménal, elle est arrivée, et comme il y a eu un contact, mais que c'était dans la continuité de l'action, donc le panier a été accordé. Bravo! Bravo les Anglaises. Allez, 1, 33-24. Ouais, mais alors, attention, voilà, plus 1 pour Freeman. Pour l'instant, elle a fait tout, Madame Freeman, elle l'a fait déjà 14, 12 points, 13 points, elle toute seule, sur les 34 de son équipe. Voilà, c'est là où il y a une erreur. Voilà, accordé, plus la faute. C'est là, elle vient de là, leur erreur. C'est qu'elle ne permute pas entre la petite et la grande. Williams et Conroy devraient permuter pour se retrouver petite sur une petite et une grande sur une grande. Et à chaque fois, elles font la même erreur, ce qui fait que Miller se retrouve sur Williams, qui est toute petite. Et quand on est grande, eh bien, on n'a aucune difficulté à le bloc. Voilà. Wow ! Et accordé plus la faute. Alors, Conroy. Eh bien, dites-moi, c'est un beau match, ça, Conroy. Et la faute à Zayen. Et c'est anti-sportive. Hein. Une anti-sportive pour Zayen. Ah oui, là, c'était vraiment une faute flagrante. Hein. Et elles vont récupérer la balle, hein, tant que moi, les Anglaises, parce qu'il y a une anti-sportive. Eh ben non. Alors, il va falloir que je revise mes classiques, moi. Miller. Voilà, et elle passe, hein, Miller. Oui, elle passe. Faute de qui? Faute de... Bah, de toute façon, je vais le voir. Hein. La faute, elle va s'afficher au 7 à Freeman. Deuxième faute pour Freeman. Devant, mais donne-lui. Croise. Elle a mal joué cette Williams. Elle a voulu. Quel dommage, il y avait la contre-attaque à jouer, elle n'a pas voulu. C'est un mauvais choix. Et avant le payer cash. Ça joue 9 secondes. Et ben voilà, toute seule, comme une grande. Sans l'aide de personne, c'est Bruer. Freeman, 36-28. Conroy. Freeman, 4. Oh là. Elle veut trop en faire, Freeman, à un moment donné. Elle veut
prendre trop le match à son compte. C'est pas, c'est it's not good. Allez, changement. On sort les 4, on leur met 4. On fait une tournée générale. C'est ce qu'ils appellent un changement, une tournée générale. Schumann pour Miller et encore Pagnacan de plus la faute. Qui a la 6 Griffith, 6 fautes, 2 fautes Griffith et Miller. Tac, plus 1. Et bien le score 36-31, 5 points. 36-31 pour les British. Love. Aïe, aïe, aïe. Love, faut les mettre ces paniers. Elle peut pas avoir la tête partout, hein. Elle peut pas garder Schumann et puis... Schumann, 8 secondes, Schumann, et voilà. Bah oui, mais c'est tellement adroit, hein. C'est tellement adroit à mi-distance que peut-on faire? Eh bien, il faut leur couper les bras et les empêcher d'avoir ce ballon. 33-36. Elles avaient beaucoup de points en avance, les Anglaises, et puis... Oh là là! Oh là, il faut empêcher-la de shooter, hein. Elle n'est pas dans un... Miller. Ah bah oui, elle va y aller toute seule, Miller. Faute. Elle est deux à shooter. À 15, c'est Love qui vient d'avoir une faute. Et bien Love, quand même, elle a quand même fait deux grosses boulettes, hein, cette Robin Love. Une passe, et puis là, le shoot, elle a fait deux shoots trop précipités. Elle s'est débarrassée du ballon de faire du shoot. Quel dommage. Un shoot, hein. 36-33. Et bien alors, est-elle déréglée, Miller? Miller. Balle blanche. Elle n'a rien touché. Sauf la planche, sauf la hache. Boing. Sauf la brique. Freeman, un bloc. Love, longue transversale. Aïe, elle n'est pas Love, elle n'apporte rien concrètement. Alors, non pas que je veuille faire une fixation sur cette joueuse, mais elle n'apporte rien. Depuis qu'elle est arrivée, elle met son équipe en danger. C'est-à-dire, alors que cette équipe anglaise était si bien rodée et voilà, elle est tranquille.
Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, il y a eu arrachage de tête là. Hein. Il y a eu arrachage de tête. Alors là, attention. Hein. Allez, 36-35. 36-35. Freeman. Elles ont perdu leur avantage, les Anglaises. Depuis tout à l'heure, ça ne tourne plus, ça ne rentre plus, ça ne marque plus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faut le mettre. Aïe, aïe, aïe. Elles avaient 8 points d'avance, les Anglaises. Hein, 8 points d'avance. Et ça fait à peu près plus de 2 minutes où plus rien ne se passe au niveau de la réalisation des paniers. Voilà, ça ne marque plus. Il y a des shoots qui sont eh bien, un peu trop précipités. Il n'y a pas d'ajustement dans le shoot. On ne provoque pas la faute. On perd la balle rapidement. Allez, quand même, Hammer, qui vient juste avant que ce carton ne s'arrête et qui remet 2 points d'avance, 37-35 pour les Anglaises. Il ne faut rien lâcher, hein. Voilà, 38-35. 51 secondes à jouer. Lindholm. Ah, vous voyez que ça tourne, hein. Ça écarte, ça joue large. On essaie de trouver la pénétration. On ferme les portes. Et voilà. Et alors, Miller, on rentre en arrière. Et voilà. Et quand on rentre en arrière... Vingt-cinq secondes. Voilà, là il n'y a rien. Les Allemandes ont repris, hein, ont repris un peu le dessus. 11. Et une faute de Kuss. Kuss. À shooter, Freeman. Oh, les mains. Allez. Un changement. Ouf, et ben dites-moi, elle a eu chaud, hein. 39-37. rien, il reste 8 secondes dans ce deuxième carton. 8 secondes. Vont-elles garder cet avantage? 2, 3. Oh! Au buzzer, égalité, mon ami. Et c'est Kuss. 39-39 à la mi-temps. We'll be right back.
Reprise bientôt dans 2 minutes de ce troisième quart-temps. Alors la question que l'on se pose, c'est est-ce que les Anglaises vont garder cette même intensité? Est-ce que les Anglaises vont pouvoir gêner cette Mannschaft qui, eh bien, petit à petit, a repris du poil de la bête, s'est de nouveau imposée, a considérablement gêné cette équipe anglaise, puisqu'elle était bien partie, et puis à la fin, elles ont commencé à perdre des ballons, à ne plus trouver le cercle. Le ballon allait plutôt dans la direction inverse, c'est-à-dire que la citrouille tombait dans les mains des Allemandes, et ce qui fait que petit à petit, les Allemandes sont revenues. Et puis on n'oublie pas le dernier panier qui a permis l'égalisation de Kuss au buzzer. Il restait 6 secondes, la balle est partie au fond, elle est remontée, Kuss s'est retrouvé en tête de raquette, on lui donne la balle et là boum bada boum boum boum, le ballon est parti, ça buzz, et bien voilà, et bien au buzzer, ça fait 39-39. Alors l'analyse de ce premier de ces deuxième quart-temps, à mon avis, c'est Robin Love, c'est la numéro 10, qui a un peu planté cette équipe anglaise. Parce que juste avant son arrivée, d'ailleurs c'est la 15, c'est pas la 10, parce que c'est la 10, c'est Amy Conroy. La Robin Love, quand elle est rentrée, elle a fait une mauvaise passe et puis elle a fait 3 shoots casse-croûte, 2 mauvaises passes. Et bien ça permet tout simplement d'abord à l'équipe, au lieu de continuer à garder l'avantage, à ne pas perdre pied psychologiquement, et puis surtout ça permet de l'autre côté à l'équipe allemande de prendre le dessus psychologique avec ses shoots trop rapidos et ses mauvaises passes. Et puis l'autre côté, les Allemandes qui elles tambourinent avec toujours leur jeu bien structuré. Elles gardent toujours le sourire, même quand elles sont à moins 10, comme tout à l'heure. Elles ne lâchent rien et elles sont persuadées. Et elles connaissent leur basket. Zeyen, Lindholm pour Schoenmann. Voilà, et Miller. Et qui récupère la balle? C'est Eselden pour Conroy. Allez, il y a Williams, mais il n'y a pas de bloc. Alors, Conroy, au shoot. Voilà. Donc, elles n'ont pas la même entrée. Kuss, Lindholm. Voilà. Alors là, il y a quoi? Ça joue. Lindholm, toujours. On rentre en marche arrière. Et ben voilà, tout le monde rentre en marche arrière. Et c'est elle qui met tranquillement son panier. Et bien voilà, les Allemandes sont repassées devant, 41-39. Voilà ce que je craignais est arrivé. Les Anglaises n'ont pas. Elles n'arrivent plus. Hop, 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 hop. Voilà, ça m'apprendra de mauvaise langue. Freeman, qui également s'est énervé. Elle a dû dire: toi, mon coco, je vais fermer ton clapet. Tu racontes n'importe quoi. Allez. Schulman, et il y a une faute. Et a shooté Eselden. Alors effectivement, quand on a une joueuse qui fait 1m80 qui se retrouve devant une joueuse qui fait 1m2, c'est pratiquement ces deux points d'assurer, parce qu'au niveau de la taille, même si Zelden lève les bras, elle arrive juste au-dessous des aisselles de Schoenmann. Et voilà, et elle par contre, elle enquille. Et là je pense que les Allemandes, pardon, c'est ici que je dois le mettre. Je pense que là, les Allemandes sont en train de faire le trou parce que 41-42, voilà, 43-41. Conroy pour Freeman. Les Allemandes mènent 43-41 dans ce troisième quart-temps. Déjà 2 minutes de jouer. Voilà, et elle part de quel côté? Elle part, voilà, on joue avec les écrans. Et une faute de Lindholm. Lindholm qui va faire donc sa deuxième faute. Freeman. Longue balle pour Williams. Ouais. L'adresse y est moins déjà chez les Anglaises. L'adresse est moindre. Schoenmann, regardez-moi le déménagement. Et il y a une faute de qui? De Moore.
qui eh bien faute contact fauteuil. Remise, ligne de fond pour les Anglaises. Alors, il y a un lancer franc pour Schulman. Freeman, on joue alors 45-41. Oui, les Anglaises ont Williams. Voilà, c'est de nouveau, c'est devenu statique. La balle ne circule plus et marche. Voilà. Elle ne circule plus, la balle. Elle ne circule plus. Elle bouffe la citrouille, Freeman. Elle la garde trop, la balle. Alors, elle est importante dans ce jeu anglais, certes, mais elle garde trop la balle, elle la bouffe. Donc, c'est une mangeuse de citrouilles, tout simplement. Donc, il faut partager. Une bonne soupe aux citrouilles, ça se mange à plusieurs. Schulman, regardez la balle, regardez, ça bouge. Hop, je me mets en position, on trouve la... Voilà. Et bien, on recommence, on a le droit à un deuxième essai. Et voilà. Et c'est Miller qui matraque la défense anglaise. Bon, je pense que là, les Anglaises ont lâché à la reprise de ce troisième quart-temps. La défense anglaise, la défense allemande est en place. Ouais, ça bouge, hein. Ça gêne considérablement les blocs. Il n'y a pas de bloc, on les pousse très loin. Voilà, elle monte sur le... Elle monte, Williams. Oui, quand même. Eh bien, que d'énergie de dépenser 43-47 pour les Allemandes. Zeyen pour Miller. Voilà, Schumann, elle enfonce le... Ouh, la passe dans la moustache. Zeyen, elle ne peut pas. Schumann, récupération Williams pour Conroy. Allez, il y a un surnombre. Comment vont-elles le jouer sur son nombre? On écarte. Miller n'est pas là. Oh là là, c'est mal joué de la part de Conroy. Zeyen. Oh, il y a quand même les 3 secondes dans la raquette, non là? Bon, ben non, c'est Miller, 49-43. Elles ont lâché, hein, les Anglaises. C'est ce troisième carton. Elles ont lâché. Psychologiquement, elles ont lâché. Elle n'y arrive plus, elle n'arrive pas à rentrer dans cette défense qui est surblindée. Ligne de fond. Et Monem n'est pas rentré, Cross non plus n'est pas rentré.
transversale. Récupération. Et même les paniers ne sont plus. Elles n'ont plus la foi, les Anglaises. Leur enthousiasme est parti. Et voilà. Et en plus, une faute de Conroy. Miller. Allez, déjà, elle en est à 12, 16 points, elle toute seule, Miller, sur les 50 à 43. Allez, un de plus, 5. Il y a quand même très peu de déchets. Hein. Il y a un changement du côté des Anglaises. On sort à la numéro 13, Bartlett, qui fait son entrée. Voilà, donc elle fait toujours pareil. 3 points. Ah, dommage. Elle baisse sa main au moment du shoot. Elle devrait la garder en l'air, sa main. Zeyen. Regardez-moi ça. Elle est déjà passée. Schumann est déjà passée. Elle va tellement vite en rentrant la ligne, par la ligne de fond. Elle est tellement rapide, cette Allemande. Eh bien, qu'elle est déjà en position quand les Anglaises montent sur elle. Il faut la coincer avant. Freeman qui choisit donc prendre. Et il y a une faute de Schumann sur le côté. Ligne de fond. 43-53. 10 points. Eh bien, elle qui était à égalité à la mi-temps. 39-39. Eh bien, il y a un éclat déjà. 53-43. On va jouer. Freeman va descendre, va provoquer, voilà. Le ballon ne tourne plus, voilà, elle tourne, enfin, voilà. Pour Hammer, une petite sur une grande, voilà, tout simplement, il faut jouer avec les yeux. Hammer, 2 points, 53-45. Zeyen, et on bloque là-bas, Hammer. Schumann, on bloque et on va faire entrer Baki. Il y a les deux pivots qui sont là, voilà, et voilà, Schumann. Comme on a coincé notre ami Hammer de l'autre côté, donc une pivot, eh bien, elle se retrouve avec quatre petites. Et là, quand vous avez deux mouses costauds qui arrivent, deux grandes, eh bien, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Freeman, on sort Bartlett pour Hammer. Hammer, marche arrière. J'adore ce shoot, moi, marche arrière. C'est Hammer. Ce shoot en reculant, c'est fabuleux, quoi. Ça me fait ressembler un peu à LeBron James quand il shoot par moment. Regardez, elle est déjà dans la raquette, Schumann. Voilà, et voilà, elle est déjà dans la raquette. Elle est tellement vive que faut-il faire? Temps mort. Oui, tu laisses, hein. Ouais, on va décharger, je vais te donner ça, oui. Oh,
Remise pour Freeman. Pour Griffiths. Ah oui, c'est toujours pareil. Bartlett. Avec la faute. Elle n'est pas concentrée, Bartlett. Hein. Ça, ça aurait dû être 2 plus 1. Elle est. Bah c'est en même temps, c'est un. Enfin. C'est compréhensible. Elle ne rentre pas souvent. Donc quand on ne rentre pas souvent, on n'a pas l'habitude d'être. Oula. Bon, on a vraiment le sentiment qu'elle débute. Qu'elle débute un peu dans le. Mais en même temps, elle se trouve dans l'équipe nationale. Voilà, c'est ça. Son shoot, elle ne garde pas les bras en l'air. Peut-être qu'elle est bonne en défense. Hein. Voilà, elle va peut-être essayer de prendre. Ah, il y a Monen. Schumann. Oh! Que voulez-vous faire contre ça? Que voulez-vous faire? Rien. Sauf regarder et admirer. Et en plus avec la faute. Elle est vraiment, elle est phénoménale, hein, cette Schumann. Alors, on avait la Monen, mais alors la Schumann, elle est aussi fabuleuse. Hein. Elle est à droite. Et vas-y, je te mets tout. Hein. Je te rends tout. Tous les paniers, les lancers francs, 100%. Elle a mis déjà 20 points. 20 points. Freeman. Bartlett, faute de Hammer. C'est marrant parce que quand je regarde le sourire de Zeyen, elle a le même sourire que ma voisine. Et à shooter parce qu'il y a eh bien, 5 fautes d'équipe de chaque côté. Donc on va maintenant sur toutes les fautes. Nous allons aller au lancer franc. Troisième quart-temps, 2 minutes 38 encore à jouer. 47-60, 13 points. Les Allemands ont fait le trou dans ce troisième quart-temps. Mais je le pressentais un peu parce que les Anglaises, en sortant de ce deuxième quart-temps avec égalité, elles se sont prises un coup derrière la cabesse. Allez, encore changement. On change les quatre, on remet les quatre, c'est-à-dire Williams, Hazelden, Moore et Conroy. Et elles sont toutes jeunes, hein, ces joueuses. Oh, la mauvaise passe. Elle tricote trop, Freeman. Regardez-moi ça, regardez-moi cette Schumann. Elle fait ce qu'elle veut, les chevaux au vent. Ah, allez, maintenant, allez. Voilà, la balle, elle tourne. On met sur Zeyen, on calme. On a 8 secondes. Et avant de mettre en place, voilà, Lindmal, elle met sur Monen. Et voilà, tranquille. Elles savent exactement. Elles ont des automatismes, ces Allemandes. Elles savent exactement où trouver Monen. Et elle sait où elle doit se placer. Donc, elle se place et elle attend la balle. That's all. C'est very simple. Williams. Il y a une faute de. Qui c'est? C'est Zeyen qui va avoir la faute. Sa deuxième. La 8. Deuxième faute pour Zeyen. William, ça commence à partir en vrille tout ça. Elles ont perdu leur enthousiasme et je dirais exactement leur rigueur. Voilà, leur rigueur, elles ont perdu leur rigueur défensive, elles ont perdu leur adresse au shoot et elles ont perdu eh bien, la mobilité de la balle. Ça fait beaucoup de choses, hein. Quand on perd tout ça, il est difficile de gagner. Alors que les Allemands, regardez, ça saoule, ça bouge, on écarte, on regarde.
Schulman, on regarde, voilà, on remet pour Monen et elle, pouf, comme à l'entraînement. Voilà. Et si vous ne la poussez pas en dehors de la raquette, eh bien ça finit toujours pareil. Freeman. Allez, il faut le prendre ce shoot, Iselden. Aïe, aïe, aïe. Plus rien ne rentre, hein. Zayen, il y a eu très peu de contre-attaques. Hein. Bah, pourquoi ? Parce que du côté des Allemandes, il y a d'abord une adresse au shoot à mi-distance. Voilà, et on remet Monen. Et regardez ça. Et au buzzer, voilà, autant, tranquille. Et bien elle remonte, elle en a déjà à ses 14 points, Monen. 67-47, 20 points. Elles ont craqué dans ce troisième quart-temps, les Anglaises. Elles ont craqué à partir du moment où il y a eu une égalisation, la fin du deuxième quart-temps. Elles ont craqué. Voilà, plus rien ne rentre maintenant. C'est psychologique. Le doute s'est installé dans leur esprit. Et quand le doute s'installe, c'est terminé. Oula! Dis donc, le coach allemand, c'est la première fois que je l'entends hurler. Que se passe-t-il? Williams, longue transversale. Il n'y a plus rien qui rentre. Fin de ce troisième quart-temps. 67-47 pour les Allemandes. Elles se sont pris un coup derrière les oreilles, les Anglaises. Remise en jeu pour qui? Alors, mademoiselle. C'est bon. It's ok. La table de marque est prête. Les arbitres sont prêts. Les joueuses sont prêtes. Alors, let's go. 10 minutes encore. Conroy. Vous voyez, il n'y a plus cette mobilité. Il y a également Evans qui vient de faire son entrée. Hammer. Plus rien qui rentre. Et voilà. Monen allait l'installer. Et voilà. Bon. Que voulez-vous faire? Hammer, on ressort. Evans, Hammer. 10. Voilà. Et bien heureusement qu'elle est là, Williams, pour donner un peu de
parce que ça fait quand même longtemps que les Anglaises n'ont pas marqué. 49-69 dans ce dernier carton. 8-54, Zeyen. Regardez, alors c'est simple. Maintenant, on joue à gauche. Elle s'est placée à gauche. Voilà, hop, je me mets là. Lindholm va prendre sa place. Eh ben non, ben c'est Schulman qui prend la responsabilité. Mais en tout cas, de l'autre côté, ça travaille. Reprend. Conroy. Williams. Et ça rentre plus. Hein. Pourtant, c'est du facile. Hein. L'espace était créé. Elle avait fait un bloc, ce qui permettait à Williams de rentrer au centre de la raquette. Et là, on va faire Lindholm. Mais voilà, on s'écarte. Et pof. Youpi. Comme à l'entraînement. Mais ça, effectivement, hein, c'est quoi tout cela? Bah, tout cela, c'est des 4 heures, 5 heures, 6 heures de basket par jour pour être aussi à droite. Hammer pour Conroy. Williams. Oh, elles ont perdu leur adresse, hein, les Anglaises. 49-73. Alors, Evans. Evans. On remet pour Hammer. Williams. Oh, il y a in-out. Plus rien ne rentre du côté des British. Et ça, je peux vous dire que quand ça ne rentre pas, psychologiquement, c'est pas bon. Parce que de l'autre côté, ça rentre, donc ça fait moins 2 plus 2. Ça fait 4 à chaque fois, donc 49-73. Regardez-moi ça. Allez hop, un bras roulé de Schulman. Conroy. Il y a Kroos. Kroos n'est pas rentré encore. La balle est pour les Allemandes. Alors Kroos n'est pas rentré. Également, Patswold n'est pas rentré, Brisman n'est pas rentré. Alors, est-ce que le coach va faire un petit changement ou pas du tout? Ou alors il veut jouer l'humiliation jusqu'à l'extrême? Schumann, regardez-moi ça. Pour Monem, et voilà. En fait, ça se fait. Toutes les filles travaillent pour les deux. 20 points déjà pour Monem. Et pour 25 points pour Schulman. C'est les deux, hein, les deux tueuses de l'équipe. Oh là 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 là. Pop, 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 pop. C'est trop approximatif. À balle au...
Hammer. Et il va falloir arrêter de tricoter. Il y a Love pour Evans. Oh là là. Plus rien, Laurent. Je suis. J'ai mal pour les Anglaises parce qu'elles étaient bien parties. Elles avaient fait un premier carton exceptionnel. Un deuxième carton exceptionnel aussi, sauf la fin. Et puis ce qui leur a mis le coup de bambou, c'est l'égalisation à 39-39 avec Us au buzzer. Alors là, ça les a massacrés. Et puis après, le troisième carton, alors et voilà. Et l'autre qui enfile Schumann, qui continue à enfiler comme. Elle met des paniers comme elle enfile des paires. Là, allez hop. Voilà. On peut pas lutter contre ça. C'est désolant. Oh, la faute accordée quand même. Evans, c'est bien, elle a mis son panier. Et a shooté. En tout cas, on trouve moins de coiffures farfelues chez les basketteuses que chez les footballeuses. Qui ont tendance un peu à refléter l'esprit des garçons. Hammer en reculant. Pas cette fois. 4 minutes 46 encore à jouer dans cette seconde, dans ce dernier carton, pardon. Monen. Schumann, regardez-moi ça, ça joue, à la balle, elle circule. Elle se débarrasse de la balle, Zeyen. Et ben voilà. Ça, en fait, il y a. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Dans le jeu allemand, on joue une fois intérieur, deux fois extérieur, une fois intérieur, une fois intérieur, une fois extérieur, deux fois extérieur. En fait, elle n'arrête pas de varier entre l'intérieur, la pénétration et le shoot à mi-distance. Dans un premier temps, on donne le sentiment que l'on va rentrer à l'intérieur de la raquette. Donc, toutes les défenses se referment. Donc, ça veut dire qu'elle. Elles ont tendance à se refermer, à se recroqueviller, à rentrer dans la peinture. Et à ce moment-là, au bout de 8 secondes, eh bien, on fait un écran pour les shooteuses, soit pour Monem ou soit pour Schumann. Elles reçoivent la balle parce que les autres savent exactement où elles sont placées. C'est ce qu'on appelle de l'automatisme. Ça reçoit la balle et puis là, alors là, il n'y a aucun sentiment. C'est du pof, c'est du. C'est franc, c'est direct, ça rentre. Voilà, c'est un placement sûr, ces deux femmes, ces deux demoiselles, c'est un placement sûr. Si vous voulez monter une équipe, vous les prenez et vous êtes sûr d'avoir à elles, à toutes les deux, elles ont, voilà, c'est ça, 50, presque 60 points. C'est-à-dire que sur les 80, eh bien, elles ont mis 60 points et elles ont laissé 10 paniers pour les autres. Voilà. Zeyen, voilà, on remet pour... Ah, Cross est arrivé. Elle a raté son panier. Ezelden. Hammer. Ezelden. Alors, Love. Ah oh là là. 81-52, ça, l'addition est lourde, hein. Allez, on sort Hammer, on sort Griffiths et on reste. Bon, bah donc là, je pense qu'il a lâché, qu'il veut garder ses forces pour. J'adore les deux coachs anglais. Alors, à la fin de chaque match, quand le gymnase est vide. Il joue au frisbee ou alors il joue au baseball. Ils ont chacun un gant. Ils se mettent à 30, 40, 50 mètres. Et puis ça s'envoie la baballe. Ezelden. Non, il faut y croire dans tes shoots, Bartlett. Bon, c'est une équipe jeune aussi, hein, l'équipe anglaise, par rapport à l'équipe allemande qui est déjà Lindholm, hop, qui est déjà un peu. Olé! Olé! Ouh là là! Une faute de Cross.
Ah ben, quand vous avez un poids plume, poids léger comme Ezelden, qui tombe contre un poids lourd comme Kranz, au niveau du choc, Ezelden, vous la voyez décoller. Hein. Et c'est pas qu'elle qui décolle, c'est Ezelden et le fauteuil. Voilà, avec ce choc, elle a décollé de 15 cm. Le fauteuil, pouf, est parti en l'air. Ah mais Kranz, c'est du lourd. Comme on dit, il y a de la masse à bouger. Bon, ça rigole, les filles. Voilà, elles sont là pour s'entraîner. Elles savent que, pour l'instant, ce n'est qu'une simple préparation. Les Anglaises étaient bien parties. Hein. J'avais vraiment le sentiment qu'elles pouvaient faire quelque chose. Et puis, finalement, au bout de course, elles se sont un peu éteintes. Elles ont dépensé trop d'énergie. Et puis, il y a eu ce passage de Robin Love. Je pense qu'elle les a plantés. Non, non, il n'y a plus de chute, il n'y a plus rien. 81-52, vous vous rendez compte? Ça fait plus de 7 minutes qu'elles n'ont pas marqué un panier. Regardez-moi ça. Oh là là, allez, on ressort pour Kranz. C'est pas grave. Monem fait jouer un peu ses camarades. Love. Récupération, elles sont là au rebond. Hein. Les Anglaises ne pénètrent pas, elles n'ont pas de réussite au shoot. Donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est moins 2, plus 2. 81-52 et là encore ball. Allez, c'est Williams. Williams pour Ezelden. Eh bien, Love qui a mis son panier. Bravo. 1-22 encore à jouer. 54-81 dans ce dernier quart-temps qui voit pour le moment, eh bien, l'Allemagne, eh bien, va remporter tous ses matchs. Monen. Va-t-elle shooter ou pas? Bah oui, elle va shooter. Regardez-moi ça. Tête de raquette. Monem. Williams. Allez, 47 secondes encore. Evans. La balle tourne. Bartlett. Oh, c'est pas elle de shooter, ce n'est pas elle de shooter. Moi, je sais pas quand je la vois, numéro 12, la numéro 13 anglaise, j'ai le sentiment qu'elle débute le basket. Ou alors, Monen, allez, on va pour Zeyen. On va récupérer la balle au moins, les filles. 15 secondes, 14. 83-54 pour les Allemandes. Bon, ben écoutez, elles règnent en maître sur ce jeu européen. Voilà la fin du score. 54-83 pour les Allemandes.